Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robocraft. Donc chers amis, nous avons encore quelques milliers, centaines de milliers d'ailleurs même, de RP à nous faire. Donc pour obtenir, déjà pour commencer, pour commencer, le Mega Site TX1, qui sera un bon départ. Une fois qu'on aura ce méga site, on cherchera à avoir les deux méga SMG qu'il nous faudrait. Il faudra donc avoir 2 millions encore. Et ensuite, il est possible que nous améliorions ce vaisseau avec deux méga SMG sur les côtés. Voilà, voilà l'objectif actuel de ces vidéos. Pour ce faire, il est possible, on verra bien, que je fasse des lives, etc. Que je sais pas, je jouerai peut-être en off, je sais pas encore. Parce que bon, si on fait que 600 000 par 600 000, ça devrait aller assez vite. Mais encore faut-il réussir à faire des victoires. Et là, c'est déjà moins facile. Donc voilà, voilà chers amis pour les petites infos. Certains d'entre vous m'ont demandé si je comptais mettre d'autres véhicules en mode construction, donc en vidéo. Vous avez bien vu l'efficacité de mes véhicules en règle générale. Quand je l'ai construit moi-même, enfin sans plan au hasard, au préalable. Donc bon, je sais pas encore. Alors certains veulent absolument me donner des conseils en vidéo, mais faut que je tourne, faut que je bidule. Voilà tout ce que je répondrai. Bon, alors une minute pour trouver une partie, c'est un peu long. T'as pas mieux à me proposer? Aurais-tu mieux à me proposer? Non. Bon bah ellipse hein. Ça y est chers amis, ça y est. Alors. Je pousse ça. Vroom. D'accord, c'est moche. Oh, mais y'a que des véhicules moches. Oh, regardez celui-là, quoi. Quoique, il peut être stylé. Faudrait que je regarde de face. Oh, dis donc, il est marrant, je l'aime bien. Je vais admettre que je l'aime bien, je lui fais du corps à corps. Oh, oh, oh. Non, bon, arrête. On arrête de troller. Je t'en prie, vas-y. Avance. Donc c'est potentiellement à ça qu'on va ressembler, bah putain. On n'est pas rendu, hein. Alors. Oula, j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens talentueux. Voilà. Your bottom fusion tower has been captured. Aïe. Ah non, même pas mal en fait. Il a tellement peur de tirer, le pauvre. Hop. Douceur. Il y a déjà quelqu'un sur notre plutonium réacteur, ma putain. Interceptor spotted. SMG Walker spotted.
Alors. Tentons une approche malgré tout. Bla. Alors. Hop. Je crois pas que je lui ai fait le moindre pet de dégâts. Appeler. Pas le bon sens. Your top fusion tower is under attack. OK. Merci de bien vouloir dégager. Hop. Il viserait bien mon personnage, ce con. Appelé. Fais pas des masses de dégâts au début quand même. Hein. Ok. Lui par contre il m'aura fait mal. C'est un grand moment de solitude quand même sur ce machin. Hein. Je sais pas ce qu'ils font les autres, mais... Parce que quand je vois qu'on en a 4 ici, ce qui veut dire qu'ils en ont potentiellement 4 ailleurs, mais potentiellement dispersés aussi, et qu'on n'arrive pas à voir quoi que ce soit... Ça se demandait ce qu'ils font. Bon, apparemment j'ai gaspillé mon truc alors qu'il était bien en face de moi. Mais ce n'est pas grave. Eh oh! Hop, voilà, il me faut des points maintenant. Aïe. On va avoir perdu tous nos trucs. C'est génial. C'est absolument génial. Non. Oh putain. Alors c'est un niveau 2 bomber qui demande à se barrer. Le mec il a rien branlé. Ah non, c'est Rodragon. Ah bah bien, bien, un français en plus. Ah bah écoutez, si vous voyez Rodragon, je vous invite à l'insulter copieusement. Ah bah d'accord, carrément. Donc là on a un bombardier qui n'en branle pas une. Bien sûr. Et un de plus, Krabika, bah c'est le fameux bombardier justement.
Eh ben un de plus, mais tant qu'à faire, mais c'est génial, je sens que c'est la bonne journée pour jouer à Robocraft. Oh là là! Putain! Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'à partir du moment où tu quittes une partie, tu as une heure sans jouer. Non. Moi je veux la jouer jusqu'au bout. On va perdre, mais je veux la jouer jusqu'au bout. Putain, je suis pas un lâcheur. Bon, peut-être un lâcheur en fait. Ah, on est plus que 3. Ah d'accord. Hop. Ben il m'aura pété toutes mes mitrailleuses. Salaud. Hop. Ben j'ai pas le temps de repop. Normalement oui. Mais bien sûr. Dégage. Aïe. Blam. Bon, tant pis. Eh ben, c'est un échec. Sur une vidéo qui est, ma foi, un peu chiante. Je pensais pas que ça allait être une défaite aussi cuisante sur le fait qu'il y ait quand même à peu près 5 joueurs qui soient partis de notre équipe. Je sais pas quoi dire. Bah écoutez, on va mettre fin à la vidéo tout de suite parce que je pense que là ça va pas être une très très bonne journée du tout. Alors est-ce que j'ai au moins fait 100 points, 100 000, non 61 000. Bon bah c'est toujours ça de prix. Ok, si tu le dis. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là parce que là c'est quand même très moisi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à insulter les gens qui se barrent Rodragon. On va voir s'il est là quand même. Est-ce qu'il est là Rodragon? Est-ce que t'aurais eu le courage de revenir en vidéo? Non, il est pas là. C'est dommage pour lui. Bon, il y a des gens qui m'ont invité. Hop. Rodragon! Ah bah tiens! Ah bah tiens! Ah bah Rodragon, si tu regardes mes vidéos, écoute. Je suis ravi de t'avoir vu te barrer. Stupidement. Si t'étais un peu plus intelligent que ça, tu l'aurais pas fait. Le principe du jeu, c'est de jouer, c'est pas de se barrer en mode compétitif. Donc voilà. Bah écoutez, les gens, salut. C'était Marcus Melus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Bravo, bravo, Rodragon. Bravo, je t'applaudis.